J'ai la chance de m'entretenir avec un moine de Shaolin. Sir, what is your name? My name is Chi Wai Li. I'm the 31st generation Shaolin monk from the Shaolin Temple. Have you enjoyed performing in Quebec City? Yes, actually, it's very good. Give me much supply, and it's very excellent. The people here are very friendly, and very respect. And how many hours a week do you train to offer performance like this? We train normally, right? We train about 6 hours a day for different reasons of the training, right? Some of the training for the internal for the energy, some of the training for the health, some of the training for the martial art. And then when we need to use it to the performance, we can just use it for performance. And is it painful when you bend the spear with your body? No, because when you go through the proper training, and after that, you can focus energy to different parts of the body, and then you can turn the body, right, to what we call superhuman. And then you can take any kind of explosion or take the different pressure. Thank you so much. I hope you had a great fun in Quebec City. Okay, thank you very much. Thank you. Je suis avec le président de la World Kobudo, M. John Terrien. M. Terrien, vous êtes investi dans l'événement de ce soir, puis comment est-ce que vous avez trouvé cette expérience-là? Bien, écoute, la World Kobudo fait un gala ou une convention mondiale, internationale, à tous les 2 ans. Et 2 ans passés, on était en France. Et puis, les gens, on a commencé à penser que c'est le temps de revenir en Amérique. Et en Amérique, on a pensé de venir dans votre belle région qui est Lévis. Et puis, il y avait des gens qui étaient vendus pour m'amener à Lévis. Il y avait Jonathan Morissette, Pierre Marceau, il y avait Martin Paquette, Jimmy Jolicoeur. Il y avait des gens qui m'ont vendu Lévis. Mais moi, je n'étais pas 100% vendu. Et à un moment donné, je suis venu regarder alentour et j'ai rencontré la mairesse. Et dans 15 minutes, cette femme, avec son énergie, m'a convaincu qu'elle voulait nous accepter dans sa ville. Bon, ça, c'est fait. Ensuite, il faut regarder faire un événement international. Moi, je suis habitué de faire ces événements-là et je sais que ça demande beaucoup, beaucoup de... peut-être un an, beaucoup des milliers d'heures collectifs pour réussir cet événement. Vous avez fait combien d'envergure jusqu'à maintenant de cette envergure-là? Bien, écoute, on fait ça... Avant, c'était à tous les ans, depuis presque 20 ans maintenant. Et écoute, on a fait 12 ans en ligne, on a fait toujours dans un pays différent et là, on arrive ici. Et là, on a bâti une équipe. Et avec cette équipe, ils ont cru dans le rêve de World Kobudo. Ils ont cru que c'est simple. World Kobudo, c'est de partager nos connaissances dans les arts martiaux avec tout le monde. Qu'on fasse du karaté, du jiu-jitsu, du kung-fu, kickboxing, on se réunit, on partage ce qu'on a et tout le monde est bon, tout le monde a quelque chose à apporter. Et ensuite, les gens de la ville de Lévis nous ont cru. Et puis au début, je n'étais pas certain parce que moi, je disais que ça va être un gros succès. Et je crois qu'on a prouvé qu'on peut faire un gros succès. Et maintenant, on essaie de bâtir pour le prochain 10 ans. Et c'est sérieux de ce qu'on dit que Lévis va devenir la capitale des arts martiaux. Si la ville veut nous accepter à tous les années, on peut faire de quoi avec la Coupe Vision extraordinaire ici à Lévis. Et c'est ce qu'on vise. Ça a été un coup d'envoi formidable. Si c'est ça le projet, je suis sûr que ça va réussir. Bien, merci. Puis l'an prochain, on a des chances que ce soit encore plus gros. Beaucoup plus gros, et puis je crois qu'on ferait des belles choses. Je me permets de vous discuter de quelque chose qui vient de se produire. Vous vous êtes vu remettre une ceinture noire 9e Dan par les moines de Shaolin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé? Bien, premièrement, c'est une surprise parce que je ne m'attendais pas d'avoir une promotion, ça je vous le garantis. Et la dernière fois, ma dernière promotion pour mon 8e Dan a été en 1996. Fait que ça fait 14 ans que j'étais 8e Dan, et puis c'est bien, puis j'avais un titre de Kyoshi, puis c'est bien. En autant que je fais le travail, vous pouvez m'appeler ce que vous voulez, pourvu que vous m'appelez et que vous partagez avec nous tout ce qu'on fait. Mais je peux vous dire que c'est très rare que moi, je suis ému, et puis c'est très rare. Moi, j'aime donner, et des fois, recevoir une honneur aussi grande que ça. Écoute, les moines de la Shaolin, ça fait depuis 1500 ans qu'ils existent. Et ils m'ont honoré à 9e Dan et avec un titre, une promotion. Je ne m'attendais absolument pas à ça. Ils m'ont invité d'aller dans le monastère à l'automne. Ça fait longtemps qu'ils m'invitent. J'ai fait des choses avec eux dans le passé.
C'était tout un honneur. Je veux dire, le grade, c'est un grade. Le titre, c'est un titre. Ça, c'est bien. Mais d'être reconnu par tes pères et d'être reconnu par les moines de la Shaolin, avec des gens, exemple, comme les gens qu'on a eus ici à Lévis, tout le monde qui était ici, c'était une soirée, une présentation devant un groupe. Et j'ai eu une ovation extraordinaire. Et elle n'a pas fallu me donner un microphone parce que j'étais vraiment ému. Je ne pouvais pas parler. Je ne savais pas comment réagir, sauf que je me suis senti vraiment privilégié d'être dans un monde si beau, avec un groupe si reconnaissant dans les arts martiaux. Est-ce que c'était déjà arrivé auparavant que les moines de Shaolin donnent un grade comme ça à quelqu'un au Canada ou au Québec? Jamais. À ma connaissance, et jamais même dans le monde que je connais. Et puis, nous, on est dans beaucoup de pays. J'ai jamais eu connaissance qu'ils ont fait ça. Et je vais avoir des discussions avec eux parce que c'est vraiment bien. C'est tout un honneur, puis on vous félicite. Merci beaucoup, puis on vous souhaite bon succès avec la World Kobudo, puis on espère que vous allez faire grandir l'événement encore plus d'année en année. Bien, écoutez, Lévis, c'est la capitale des arts martiaux. Faut le croire, là, on s'en vient. Merci. Merci infiniment. Je suis avec M. Jonathan Morissette. Monsieur Morissette, le spectacle vient de se terminer. La salle est presque tout démontée. Il reste à peine la scène à enlever. Les chaises sont parties. Félicitations pour l'événement. Est-ce que vous avez un quart de scoop, un demi-scoop, un petit secret par rapport à l'année prochaine pour nous autres? Bien, étant donné qu'on est juste entre nous puis que c'est très, très privé, je peux peut-être te parler de l'événement de l'année prochaine. C'est le 375e anniversaire de la ville de Lévis. Puis on travaille sur un gros projet présentement qui inclut certaines vedettes de cinéma qui vont se déplacer ici l'année prochaine à Lévis. Donc, on parle d'un événement là, plusieurs fois là, plus gros que ce qu'on organise présentement. Ça va se passer au Centre des congrès, ça va se passer en même temps à l'Aréna de Lévis, ça va se passer à plusieurs endroits de la ville simultanément là, pour l'année prochaine. Donc, c'est un rendez-vous. Il faut mettre ça à l'agenda dès maintenant, si je comprends bien. Puis, on travaille beaucoup sur le slogan avec la ville, Lévis, capitale des arts martiaux. Donc, c'est le futur, c'est ce qui s'en vient. Hey, merci beaucoup. Puis, on va suivre les développements. Quand vous le savez, vous nous appelez, on va vous le dire. Alors, c'est ce qui conclut le spectacle d'arts martiaux au Centre des congrès à Lévis en ce samedi soir. On a eu droit à une soirée exceptionnelle, très haute en émotion, avec une clôture magique, une remise d'une 9e dame à M. John Thérien. Alors, un franc succès pour l'événement. On vous remercie beaucoup. C'était Jean-François Robitaille sur Zoom Sports.